Bonjour à tous, bienvenue pour NRTV Fait sa culture. Cette semaine, je vous propose un saut dans le temps puisqu'on reviendra sur les événements qui ont marqué l'actualité culturelle régionale. Et sur le plateau, deux invités pour vous donner envie d'aller voir le spectacle Meurtre et Marinière qui aura lieu au Théâtre de Maran à Nyon le 11 mai. Je vous les présente. Annabella Zamora, présidente de l'association Comédie Musicale UNEG. Bienvenue Annabella. Merci. Et puis avec vous, Céline Zinguignon. Est-ce que j'ai dit juste votre nom de famille ? Zinguignon, presque. Bienvenue à vous également, vous êtes la chorégraphe du spectacle. Bienvenue. Merci. Et bonjour. On vous en parle d'ici quelques instants. Pour l'instant, retour sur la fête de la danse. La manifestation a eu lieu pour la deuxième année consécutive à Rolles et à Gland. Retour sur cette manifestation sous le soleil cette année. Regardez. Cette édition, elle se passe bien. On sent qu'on a déjà fait une édition, qu'il y a eu un petit peu de bouche à oreille qui a été fait. Donc les gens viennent un petit peu plus spontanément déjà voir les cours, se posent plus de questions, ils viennent un peu plus aux démos, il y a un peu plus de fréquentation à ce niveau-là. La fête de la danse, je pense que c'est vraiment l'occasion d'une part de danser, de pratiquer, de bouger et puis de s'ouvrir l'esprit à différentes techniques de danse. Donc ça, je pense qu'en soi, c'est important de le faire pour son hygiène de vie personnelle puis son bonheur personnel. Et puis après, ma foi, c'est aussi pour développer sa curiosité. C'est aussi beaucoup de liens sociaux, la danse avec des soirées dansantes, des bals. Donc c'est des occasions de rencontrer des gens, de mélanger les différentes cultures et les différentes tranches d'âge. C'est la première année que vous participez à la fête de la danse. Pourquoi est-ce que vous avez accepté ? Alors, j'ai accepté parce que je trouve très bien de promouvoir la fête de la danse, de faire quelque chose pour la danse, de permettre aux enfants de découvrir plusieurs styles de danse. Ça leur permet vraiment pendant le temps d'un week-end de passer un bon moment et de faire des essais partout. Alors avec moi, on a essayé du kids dance qui correspond à des petits pas de danse basiques qui leur permet de faire des petites chorégraphies toutes simples et de bouger en s'amusant. Ça se passe merveilleusement bien quand il fait un temps pareil et qu'on a la chance d'avoir un site aussi exceptionnel que les quais de Rolles, c'est magique. On a des gens qui reviennent, qui attendent cet événement, qui suivent les deux voire trois journées d'activité. Et je pense qu'il nous faudra trois éditions vraiment pour asseoir la manifestation. Et l'an prochain, si on a du beau et du pas beau, on sera prêt parce qu'on aura fait les expériences à 180 degrés des deux types de météo. Nous et moi est composé de Anaïs, Charlotte et Estelle. Aujourd'hui, on vous présente une pièce qui s'appelle Yum de 15 minutes. Donc, c'est une pièce qui est très spéciale pour nous trois, qui veut dire énormément. C'est un peu notre plus gros travail ensemble. Aujourd'hui, on va essayer de faire danser le menuet. C'est une danse emblématique de la période baroque. Et c'est une danse à figure, donc il y a plein de dessins qu'on va dessiner au sol avec les pas. Et le menuet, donc, c'est, comme son nom l'indique, une danse avec des pas menus. Menuet, c'est des petits pas. Pour l'année prochaine, quel conseil est-ce que vous donneriez aux gens qui n'osent pas venir ? Venez ! Venez, mais venez voir si vous êtes trop timide pour essayer quelque chose. Ou en tout cas, je pense qu'il faut venir tâter l'ambiance et puis se laisser porter. Et je pense qu'on se laisse faire au bout du compte. Essayez, vous n'avez rien à perdre. Qui ne tente rien n'a rien. Il faut venir, c'est vraiment fun. On vient s'amuser surtout, personne ne juge, on s'amuse tous. Il y a très peu de gens qui viennent prendre des cours de danse et qui sont des super danseurs. Le but, c'est vraiment de tester, essayer, sans jugement, sans a priori. C'est pas de se dire je vais le faire, je suis fort, je peux le faire, c'est de se laisser emmener. Et ça fonctionne très vite. Du côté du temple de Nyon ce week-end, l'orchestre de chambre d'Acapo jouait Florilège printanier, un spectacle qui sera d'ailleurs joué en Espagne, donc qui mettait l'honneur en Espagne. Regardez. On
On présente un magnifique concert préparé avec l'orchestre d'Acapo qu'on prépare depuis 2-3 mois à une répétition par semaine. Et puis on va faire une série de concerts. Donc le premier c'est aujourd'hui, notre premier concert qui est au Temple de Nyon. Et ensuite on va partir avec le même programme en Espagne. D'ailleurs, c'est pour ça le programme, il est composé des œuvres qui touchent un petit peu à l'Espagne. Il y a 2-3 pièces qui sont typiquement catalanes. Ce qui est vraiment chouette, c'est que c'est très varié. On joue avec nos collègues catalans qui ont bossé des professionnels, un excellent niveau. C'est découvrir aussi des œuvres un peu hors du commun. Ce sont des compositeurs qui écrivent de la musique traditionnelle, des sardanes. Et ils ont un style très particulier, qui va droit au cœur, comme toute la musique populaire en général, et avec un travail d'écriture recherché. Bien jouer dans les églises, dans les temples, puisqu'il y a une acoustique naturelle. On s'entend nous-mêmes jouer très bien, et puis c'est un cadre magnifique. C'est toujours les églises, les temples, parce que c'était construit en fait dans la même période où la musique était écrite, donc il y a quand même un lien entre les deux. L'objectif, c'est d'avoir une bonne qualité pour le concert. Et c'est aussi toujours dans l'espoir de motiver d'autres personnes à venir jouer avec nous. On travaille pour montrer au public ce qu'on a fait pendant cette période. Et puis on travaille dans l'idée de faire des concerts pour se produire, c'est ça l'idée. On choisit en général un programme connu du public, des compositeurs connus comme Vivaldi, Handel, mais aussi on aime bien introduire ou présenter une pièce nouvelle et qui est quand même facile d'écoute. Hein, parce qu'on sait que dans le public, il y a souvent des personnes qui ne connaissent pas et qui ont en général, même souvent, peur de venir au concert parce qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que vous avez justement un conseil peut-être pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'entendre de la musique classique ? Il faut juste qu'ils reçoivent, qu'ils ferment les yeux et qu'ils voyagent. Voilà, si vous voulez rejoindre l'orchestre d'Acapo, ils vous attendent. Il suffit de les contacter à l'adresse suivante, contact@dacapo-nyon.ch. Place au spectacle suivant avec Meurtre et Marinière et nos invités du jour qui sera d'ailleurs joué le 11 mai au Théâtre de Maran à Nyon. Annabella, vous faites partie de cette association, vous êtes la présidente. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous la présenter ? Qui est cette association qui vient de Genève ? Alors, on est une association d'étudiants de différentes facultés et également des alumni. Et en fait, ce qui nous réunit tous, c'est la passion pour la comédie musicale. Et on apporte un peu toute l'expérience qu'on peut avoir de nos cours de danse, de théâtre et de chant. Avec des étudiants qui viennent justement de la région de la Côte. Oui, on a quelques étudiants qui ont fait leurs études secondaires ici. Et voilà. Et la comédie musicale, pourquoi ? Pourquoi ce choix, Céline ? C'est justement parce que à l'époque où l'association a été fondée, on était un groupe d'amis autour d'une table et on se disait que ce serait vachement sympa de faire de la comédie musicale. Mais c'était un peu un rêve, on n'y avait pas vraiment réfléchi. Et jusqu'à ce que quelqu'un dise, mais peut-être qu'on pourrait vraiment lancer un atelier de comédie musicale. Mais c'était totalement spontané en fait. Mais comme on était plusieurs à avoir fait du théâtre, du chant, de la danse et que c'est un art qui mêle les trois justement, ça nous permettait d'explorer différentes facettes des arts. Et pour vous donner envie à la maison Meurtre et Marinière, un petit extrait. Agathe à poivre.
l'Université de Lausanne. Un spectacle qui a déjà eu beaucoup de succès, notamment l'année dernière, puisque vous l'avez déjà joué. Selon vous, qu'est-ce qui fait justement le secret, la recette magique de ce spectacle? Pourquoi ça marche? Je pense que c'est vraiment l'énergie qu'on met dedans, la bonne humeur. Enfin, les gens, ils viennent pour rigoler et c'est ce qu'ils ont à la fin. Ils ont passé un bon moment et on a aussi quelques numéros musicaux qui sont vraiment assez impressionnants et les gens, ils sont facilement pris dedans. Et puis je suis quand même obligée de revenir sur votre titre, Meurtre et marinière, une comédie musicale bateau. C'est pas à votre avantage une comédie musicale bateau, pourquoi ce choix? Alors ça c'est l'humour de la commu. Et c'est vraiment ce qui fait, je pense, notre charme, c'est qu'en fait depuis le début, il y a une équipe script qui est là depuis le début et qui a vraiment un humour qui plaît beaucoup et qui tire un peu sur l'absurde et je pense c'est ça qui plaît énormément. Céline, vous êtes notamment la chorégraphe, mais pour donner les cours, est-ce que vous êtes allée chercher ailleurs ou c'est tout fait, du fait maison? Alors, c'est beaucoup de fait maison. Je danse beaucoup devant mon miroir pour essayer de créer des chorégraphies. Mais après, par exemple, typiquement dans ce spectacle, on a repris Michael Jackson. Et là, il y a des chorégraphies qui sont clairement inspirées directement de ce qu'il a fait lui. Et puis Annabella, justement, du coup, il a fallu chanter en anglais, en français, d'autres langues? Alors, non, on a anglais et français. C'était suffisant. Et puis là, tout le monde était d'accord dès le départ ou il a quand même fallu motiver les gens, le reste de la troupe? Pour chanter. Pour chanter en anglais. Ah, alors non, justement, les chansons en anglais, les gens, ils adorent. Hein. C'est justement les comédies musicales françaises qui sont parfois un peu moins connues, en tout cas dans notre troupe. Et pourtant, c'est des très bons numéros dans notre spectacle aussi. Et ce côté absurde, comment est-ce que vous l'apportez au spectacle? Alors, c'est des petits éléments comme dans la bande-annonce. Donc là, on a un petit moment Titanic. On est sur une croisière, donc on essaye de... On a aussi un crabe sur le bateau. Des petits éléments très discrets, mais qui font assez rire quand même. Et ces éléments, justement, de décor, de costume, qui est-ce qui les a faits? Dans l'association, on a toute une équipe qui s'occupe des décors et des costumes. Et il passe beaucoup de temps à réaliser tout ça. Pour l'année prochaine, quel serait le défi? Est-ce que vous restez dans la comédie musicale ou vous voulez totalement changer? On est une association de comédie musicale quand même, donc je pense qu'on va rester dans la comédie musicale. Un des challenges qu'on avait éventuellement, c'était de pouvoir jouer avec, faire un partenariat avec un orchestre, parce que là, pour l'instant, on a notre bande-son, elle est enregistrée, et ça pourrait être chouette d'avoir des musiciens en live. Et puis si du coup vous deviez donner envie aux gens de venir, quels sont les arguments que vous donneriez? Alors, c'est des musiques vraiment très connues qui plaisent à vraiment beaucoup de monde. On a vraiment... Donc, tout le monde peut chanter avec vous? Oui, oui, clairement, c'est ça. Et c'est un polar parodique inspiré d'Agatha Christie, donc c'est vraiment un genre qui plaît énormément. Merci d'avoir été avec nous. Meurtre et marinière, donc, à voir au Théâtre de Maran le 11 mai. À quelle heure? 20h. 20h. Et si on veut des billets, on peut acheter ça sur place? Il faut s'inscrire avant? C'est gratuit, donc gratuit. Il suffit de venir. Parfait. Donc l'appel est lancé, on vous attend, mesdames. Merci d'avoir été avec nous et puis bon spectacle. Merci. Vous connaissez certainement Guernica de Picasso, et bien il y a aussi Guernica du collectif de la dernière tangente. Il présentait justement la disloquée à l'usine à gaz il y a quelques jours. Regardez.
C'est un spectacle sur les tourments de notre société, à la fois les violences sismiques, mais aussi les violences barbares de l'homme face à l'homme, la guerre, la dictature. Ça révèle l'homme dans sa fragilité, mais aussi dans sa candeur, dans sa grandeur. Et cette vulnérabilité n'est que l'image de sa force. C'est-à-dire que si on est conscient qu'on est vulnérable, qu'on est en danger, on ne peut que construire des belles choses et pas destructeurs. Et on s'est référé à 2-3 chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. Le Guernica de Picasso et 13 des Mayas de Goya. Deux tableaux d'une grande force, d'une grande beauté, de très grands artistes, et qui montrent cet esprit de liberté qui est dans l'art espagnol, mais aussi qui est dans notre sang. À nous tous, on doit aujourd'hui se battre pour cette liberté qui devient de plus en plus restreinte. C'est aux artistes d'amener cette urgence. Alors, ce n'est pas toujours un cri, ça peut être un cri sourd, il peut être poétique. Nous sommes dans une action assez lente, assez posée, très construite. Et c'est une autre manière, c'est un contre-pied pour montrer aussi cette humanité. Ce qui compte, c'est comment tous les arts vont s'imbriquer. Et donc, il y a du son, il y a de l'image, il y a du mouvement, il y a des choses qui s'entrechoquent, qui tombent, qui se relèvent, de la danse. C'est-à-dire que tout s'imbrique. Le but n'est pas tellement que... En simultané, chacun est dans son art ou dans son média, mais que chacun avec ses compétences, on les brasse. La musique en tant que telle dans le spectacle, je l'écris au fur et à mesure de comment tout va s'imbriquer. Et en fait, jusqu'au dernier moment, la musique peut changer. Alors, le rôle de la vidéo dans ce spectacle est intéressante, et c'est ce qui m'a aussi motivé à participer. C'est parce qu'elle était intimement liée au travail musical d'Eric. C'est vrai que moi, j'ai toujours du mal à imaginer l'image sans la musique, et vice-versa. C'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui va de soi, l'audio-vision. Montrer quelque chose d'apaisant, faire une promesse d'apaisement, mais aussi parfois de partir dans des imageries et dans une musique plus inquiétante. L'idée, je crois, de ces images, c'est de peut-être d'injecter une narration là où il n'y en a pas forcément à certains moments, et parfois un peu d'abstraction. Le spectacle est construit sur ces deux dynamiques. Il y a tout le temps quelque chose qui va très vite et en même temps, il y a un étirement constant. Finalement, c'est le tumulte humain qui est le plus dangereux. Voilà, pour terminer cette émission, quelques dates à ne pas manquer. Le 18 mai, soirée rock à l'usine à gaz avec Cloca Maxima. Ensuite, pour les 30 ans du gymnase de Nyon, un groupe d'élèves et d'enseignants du gymnase, justement, a écrit et monté un spectacle théâtral et musical. Ça s'appelle « Les aventuriers de la pédagogie » et c'est à voir au Théâtre de Maran du 18 au 20 mai. Enfin, mercredi 16 mai, ayez la tête dans les étoiles avec une soirée d'astronomie. Ça se passera à la bibliothèque intercommunale de Copé, plus précisément au collège de Terre-Sainte. Une première partie avec une présentation de Maxima Spano, doctorant en astronomie, et ensuite une observation à partir de 21h30. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour plus d'aventures culturelles. Salut!